Astuce numéro 13. Interdire aux médias indépendants d'approcher et de poser des questions librement. Sommes-nous dans une dictature ? Peut-on poser des questions aux dirigeants et avoir des réponses ? Donc on faisait comme les collègues, quoi, on venait couvrir l'événement. Ah ouais, mais comme on n'a pas prévu votre visite, votre venue, vous n'étiez pas sur nos listes, donc je crains que ce soit pas possible. Vous n'étiez pas sur notre liste, là, c'est une visite privée ? Avec tous les journalistes, c'est une visite privée ? Eh bah, bien, sur liste. Sur ça veut invitation. Dire quoi, ça bah, c'est sur une liste. Je vous dis que c'est on se préinscrit. On dit qu'on vient, on dit qu'on vient pas. Il n'y a pas eu de communication. Donc c'est pas une on dit qu'on vient. Et bah donc c'est privé. Pas. C'est ceux qui sont invités, voilà. Vous pensez que c'est anecdotique ? Faites l'essai. Demandez à être informé des déplacements officiels du maire et vous verrez que ces infos sont réservées à certains médias bienveillants. Pareil pour filmer des réunions publiques. Vous croyez être informé ? Mais le monde de l'information est un monde artificiel. L'image que vous avez de Lyon est artificielle. Je comprends pas en fait, c'est pas une séance publique ? C'est une séance publique, mais pour filmer dans une séance, dans un lieu de séance publique, il faut demander l'autorisation. Ah bon ? Mais je sais pas où est-ce que c'est marqué ça ? Dans la loi. La loi ? Oui. Qui régit les collectivités locales, oui monsieur. Mais vous verrez, venez filmer et je vous ferai mettre dehors. Vous verrez après comment ça se passe. C'est tout. Mais, non mais la loi c'est pas vous, enfin je veux dire c'est... La loi c'est pas moi, la loi c'est la loi, ça c'est clair. Mais ben justement... Par contre, quand je préside une séance de comité syndical, c'est moi qui ai la responsabilité de la police de l'Assemblée. T'as jamais entendu ça ? Peut-être, mais le mot police ne veut pas dire interdiction de témoigner de ce qui se passe dans une assemblée qui est publique. Ah mais je savais pas que c'était interdit, hein. C'est marqué nulle part, on m'a pas dit que c'était interdit. Donc... Un avocat nous citerait probablement la loi qui prévoit que filmer une réunion publique est parfaitement légal, qu'il n'y a pas d'autorisation spécifique à obtenir et que le pouvoir de police ne s'exerce que lorsqu'il y a trouble public, ce qui n'est évidemment pas le cas.